Salut Thomas et Jacques, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une petite simulation de survie, simulation de camion, enfin, il y a un peu pas mal de tout. C'est The Wasteland Trucker. Donc, on va tester ça, les gars. Ça me fait penser un petit peu à My Summer Car, donc on peut faire vraiment pas mal de choses. Donc là, on arrive, c'est notre petite maison. En fait, quand on va suivre l'histoire, parce que là, voilà, notre père nous laisse un message en nous disant qu'il est malade, qu'il est parti faire une cure, je sais pas trop quoi, et qu'il nous laisse bah, la maison, le camion qui est juste derrière la porte et qu'il faut que je trouve du taf pour regarder la maison et puis pour continuer l'aventure quoi. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc en bas à gauche on a de la bouffe, de la faim, on peut faire pipi partout. Alors pipi partout, je sais pas encore, j'ai pas encore trouvé. Nous on est ici à Gurich. Donc voilà. Nous on est ici à Gurinsk. Et il va falloir aller à Balarsk. Donc il va falloir qu'on aille au nord. Donc je sais pas. On va voir la direction qu'on va prendre. Voilà, là, donc la map a l'air quand même assez balèze. Bon, ça m'a l'air quand même assez balèze. Il y a l'avoir pas mal de trucs à faire, il y a pas mal de villes. Donc on va faire le transporteur. Donc on va faire le transporteur de camion. Donc là, petit frigo. Bon, on va se prendre ouais, une petite tétée comme ça. On va se prendre deux saucissons et c'est pas mal. Et on se casse. Et donc là, on a pas mal de petits trucs qu'on peut récupérer. Donc la toolbox. Alors je sais pas, est-ce que je les mets là-dedans ou je sais pas trop en fait les gars. Je sais pas trop, est-ce que je les laisse avec moi ou est-ce que je les laisse au garage. On va prendre au moins la toolbox. On va prendre la caisse pour réparer aussi parce que bon, on sait comment ça se passe avec moi. Bon, si tu pouvais te baisser. Voilà, c'est encore mieux. Hop. Et là c'est plutôt pas mal. Donc il va falloir qu'on s'occupe de tout les gars. Donc on voit qu'on a de l'essence. Faut qu'on s'occupe de l'essence. Quand on va lever le capot, voilà, on voit que. Ah, mais arrête de faire n'importe quoi. Le moteur, il est utilisé, bah, il reste 71%. Le radiateur, c'est pareil. On a 6 litres d'eau. Et au niveau de l'huile, qui est je sais plus trop où, il va falloir surveiller l'huile aussi. Voilà, qui est là. Juste là, on a l'huile qu'il va falloir surveiller. Donc, il y a pas mal de petits trucs à faire. Et là, bah, écoutez, on va essayer de se casser au calme, les gars. Donc, alors, bon, j'ai commencé. Une petite partie avant parce que je vous avouerai que j'ai bien fait. C'est quand même assez compliqué pour démarrer le. Enfin, il y a peut-être un mode automatique, je sais pas trop. Mais alors, c'est quand même assez compliqué. Donc là, on va démarrer le véhicule. N'oubliez pas, on accélère un peu. Voilà, c'est bon. Donc là, qu'est-ce qui s'est démarré? Donc, bah, comme on pourrait se dire, ouais, on accélère, ça part. Mais non, non, les gars, faut passer les vitesses dans le truc. Faut passer les vitesses. Donc, vous voyez, pédale d'embrayage. Donc, je fais tout ça au clavier, les gars, en plus. Pédale d'embrayage, on passe la première. Et là, on peut y aller. Et là, c'est parti, les gars. C'est parti, c'est parti. Donc, droite, gauche, ouais, on va aller à gauche. Hein. Je pense qu'on va aller à gauche, hein, comme ça, on sera tranquille. Donc, attendez, 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 attendez. Parce que le passage de vitesse, c'est chaud. On va se mettre en deuxième direct. Allez, un petit peu de façon, ça va descendre. On va continuer cette route là. Bon bah vas-y là, je t'ai. Oh. Oh le mec. Oh le mec, il n'arrive pas. Eh, t'es qu'en deuxième. Hein. Vas-y. Hein. Donc là, il y a Marcel qui est là. Je sais pas ce qu'il veut. Ouais, non, mais c'est abusé, les gars. Appel d'embrayage. Allez, vas-y là. T'es en deuxième là. Accélère. Oui, la caisse elle a du mal. Ça y est, ça part. Ça y est, ça part. Ah mais non les gars. J'ai oublié le frein à main. J'avais oublié d'enlever le frein à main. Je me disais putain la caisse elle avance pas. D'ailleurs ça trace un peu plus mais là ça avance pas. Donc, vous voyez c'est quand même assez compliqué. Hein. Enfin assez compliqué non. Voilà, dès qu'on a pris le coup, c'est bon. Mais c'est quand même. Il y a quand même pas mal de simulations. À fond, quand même. Hein. C'est quand même bien poussé la simulation. Donc, écoutez. Ok. Détends-toi, Robert. Ça va le faire. Ouais, le camion, il part un peu dans tous les sens, quand même. Ah, ouais, je sais pas si c'est vraiment. Hein. À 40 km/h, le camion, il part en couille. Bon. Donc, il nous disait d'aller dans la prochaine ville, essayer de trouver du taf. Et voilà, quoi.
Bah écoutez, on va essayer de se faire ça au calme. Au calme, j'ai bien dit. La conduite, ça glisse. Ça glisse beaucoup. Ouais, je trouve que pour un camion, il glisse beaucoup le camion. Et les petits rétro derrière et tout. Non, non, franchement, il m'a l'air pas mal. Comme je l'ai dit au début, ça me fait beaucoup penser à Miles & Marker. Donc pareil, je remercie les développeurs de m'avoir envoyé la clé pour tester le jeu. C'est plutôt pas mal. Ah, mais c'est pas évident quand même à conduire avec les comment dire, avec les vitesses. Donc là on a un petit magasin là déjà, ok. Là on a la police, ok. Salut les gars, ça roule. Ok, la ville s'arrête là. Bah écoutez, on va faire un petit tour comme ça, si on peut. Ah ouais, bon écoutez, la ville est plutôt pas mal. Ah, il y a un mec qui est là, là. Bah écoutez, on va s'arrêter là. On va pas oublier le frein à main, hein, pour la prochaine fois. Et direct, on va se mettre en première, comme ça on sera tranquille. Donc bah allez, on va faire un petit tour les gars. Oh, 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 c'est où? C'est là. C'est là. Et là, là. Ça va encore Robert? Tranquille? Je peux acheter des briques, la concrète, les scrap metal. D'accord, ok. Un petit baril. Un district wood, non, 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 non. Oh, ok. Ok, ok. Apparemment, je peux acheter tout ça. Tout ce qu'il y a là, on peut acheter apparemment. Un baril d'essence. 6100. D'accord, ouais, j'ai acheté un baril. Alors je sais pas s'il y a de l'essence dedans ou pas. On verra bien. Ok, donc là on peut acheter du matos. D'accord. Non. Ah d'accord, c'est là qu'on achète les trucs. Gasoil. Coulant. Ok, ça c'est l'huile. Toolbox. 15 000 la toolbox. Ok, là-dedans on a ça. Ok. Là il y a quoi? Canette de poire, du pain, enfin ça doit être du pain, ça c'est quoi? Ok, vodka les gars, ok. De l'eau. Ouais, mais ça on verra ça plus tard. Je peux aller dans l'arrière boutique? Ok, merci mon gars. Dans l'arrière boutique, ouais, y'a rien. Bon, ok. Petit paquet de club, ça c'est quoi? Ah, la map! Ça je prends. Hop. Et dans l'inventaire, direct. Comment on fait pour s'en servir? Ah. Donc attendez, je reprends les saucissons et tout ça là. Voilà, et là, on fait comment pour s'en servir de ça? Ok les gars, voilà, ça c'est plutôt cool. Au moins on a la map en direct. Donc on a, là on est à Balarsk. Ok. Petit panneau publicitaire, d'accord. Consomme drinks, 2 palettes, 2 planches. D'accord. 4 palettes. Mais c'est alors que là-bas. Là. Ah, e-sport. 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 D'accord. Je fais comment pour aller là-bas? Y a pas un truc plus près, non? Non, y'a pas un truc pour le c'est ça, hein. Comos. Non, non, c'est ça. Hein. Comos Drink. Ouais, c'est ça, ouais. Paye 22 000. Mais mon frère, t'as vu la distance que j'ai, toi? Je sais même pas par où il faut que je passe pour aller là-bas. Où est-ce que ça va nous ramener? Si ça nous ramène à Kongoski, là, c'est bon, on est pas mal, mais sinon, bah, les gars, on est perdu. Allez mon pote, hein, je te fais confiance. Si on peut mettre un peu de lumière là-dedans. Voilà, voilà. Regardez, c'est pas mal. Oh. Quoi, c'est la côte qui te fait galérer comme ça mon pote? Bouge pas. Petit rétrogradage. Oh, il a la patente hein, quand même le camion.
Alors on peut jouer avec un volant les gars, ceux qui ont des volants, bah, vous pouvez y jouer avec le volant apparemment. C'est même beaucoup plus simple de jouer au volant. Donc ça aussi c'est plutôt sympa, c'est plutôt intéressant. Il y a un bruit bizarre là, je sais pas c'est quoi. C'est peut-être parce que j'ai plus d'essence. Je sais pas, mais bon. En tout cas ça continue à rouler un petit peu, donc on va le laisser rouler un petit peu, mais bon ça va s'arrêter. Frein à main, tac. Tac, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ça doit être à 0. 0, ouais c'est ça. Oh, ça m'a tout éjecté. Oh merde, merde, merde. Doucement, doucement, doucement. Ah mais là je peux pas mettre d'essence. Mais non. Puis j'ai pas de barrique. C'est quoi? Ça c'est l'arrêt partout. Ouais. Non, la répare elle est là. Ok. Mais le truc quoi c'est ça, c'est que j'ai pas pris le. Eh oui, j'ai pas pris le bar de baril d'essence. Donc ouais, sur ça c'est mort les gars. Sur ça c'est mort. Bah écoutez, on va s'arrêter là-dessus pour cette petite vidéo. Voilà, dans la prochaine, bah si j'en refais une prochaine, faudrait que je m'achète au moins un petit baril d'essence. Hein, pour pouvoir continuer la route. Parce que ça fume là-dedans. Il n'y a rien qui fume là-dedans, regardez. Moteur 71%. Le radiateur, ouais, c'est du costaud. C'est du costaud tout ça. Ouais, ouais, c'est du costaud. C'est que moi qui j'ai oublié de prendre de l'essence. Donc voilà, c'est le seul truc qui manque. Donc là, il y a un petit bruit qui casse la tête. Je sais pas ce que c'est. Mais ça fait mal aux oreilles. Et puis bah écoutez les gars, on va s'arrêter là-dessus pour cette petite vidéo. Non, franchement pas mal. Franchement pas mal, ça me fait penser un petit peu à My Summer Car. Donc il y a pas mal de petits trucs à faire. On a des parcours à faire, on a des livraisons à faire. Donc que ce soit dans le légal ou l'illégal. Donc non, franchement, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Donc laissez-moi des messages dans les commentaires si vous avez kiffé. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Donc bah, portez-vous bien. Ciao, bye tout le monde.